Et nous voici dans une nouvelle aventure. Nous sommes actuellement au Chili, à Arica, et on a pour objectif, cette fois-ci, d'aller jusqu'à Santiago du Chili, environ 2000 km d'ici. Ça y est, on va refaire du stop. En fait, on est arrivé, on n'a même pas eu le temps d'écrire sur la pancarte où est-ce qu'on voulait aller. On a entendu siffler, on s'est retourné, c'était un camionneur qui nous a fait signe de venir. Et donc il va à Santiago directement. Donc voilà, en gros, c'est juste génial. Un désert, la route est juste tout droit et j'ai jamais vu ça. C'est vachement impressionnant. Là, il y a quelques tornades. Il y en a une là-bas, deux, quatre. Il y en a quatre. Enfin, c'est la première... Non, cinq là-bas. C'est la première fois que j'en vois. Ah ouais, moi aussi. La nuit a été dure parce qu'elle a été très courte et on a dormi dans le camion. Mais là, on vient de se lever et regardez où on est, quoi. Au milieu du désert chilien, devant la main du désert. Si c'est pas beau. Alors ceci, mes amis, est une mine de sel. Il est en train de laver la vitre pour qu'on puisse filmer des belles images sans une vitre sale. On a de la chance, il est trop sympa ce monsieur. Être végétarien au Chili, c'est très compliqué. On s'est fait prendre par un bus. Pas à dire, j'ai mal aux fesses. On a trouvé un couchsurfer qui va nous héberger chez lui, donc on va passer un peu de temps avec lui. Voilà. Un match de foot okay. Se prépare entre le Chili et la France. Notre hôte nous emmène voir la statue emblématique de Santiago. Alors on est dans un dilemme parce que nos hôtes ont envie de nous faire tester une boisson typique chilienne. Donc voilà, on aimerait bien tester parce que c'est trop cool, mais en fait on a un peu des petits problèmes de maladie à cause de la nourriture et des boissons qu'on a prises. Donc on a un peu peur quand même de tomber malade. Donc on sait pas si on doit goûter ou pas. C'est la spécialité du Chili. Je sais plus déjà comment ça s'appelle, mais bon voilà, on va voir si on va être malade ou pas. Mais...
casse avec du blé. Et je sais pas. Il y a, ça me fait penser un peu à du de l'ice tea ou du thé glacé. On va voir. C'est très sucré. Mais c'est bon. Nous voilà sur l'un des points les plus hauts de la ville de Santiago. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar. Fanny, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Oh, à faire du sang. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La Ce voyage au Chili n'était pas prévu dans notre programme de vidéo, donc on va pas avoir le temps de trouver des tenues traditionnelles, mais on a mieux. On a trouvé un Chilien. Hola. 3, 2, 1. I wanna learn shim sham. Why you wanna? I wanna learn shim sham. Why you wanna? I wanna learn shim sham. Why you wanna? So I can shim sham with you. I gotta learn shim sham. Come on over. I gotta learn shim sham. Come on over. I gotta learn shim sham. Come on over. You're going to shim sham school. You're gonna take that step. No, to the happy. They dance it the world around. Wherever swing cats meet, soon as the green, they get in line and they go to town. I gotta learn shim sham. Now you got it. I gotta learn shim sham. Now you got it. I gotta learn shim sham. Now you got it, and you're shim-shammer too.